facile par rapport au mur, pas trop près. Mais là, tu croises. Pardon. Tu croises la jambe qui est vers le mur, sur l'eau. Tu mets la main en face, et là, tu plies, tu tends. Le travail se fait quand tu tends le bras. Et tu souffles. Tu inspires, et tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Alors là, on est en demi-pointe, hein. Appuie bien sur l'autre pied, on a plat. Tu inspires, et on fait l'autre bras de l'autre côté. La jambe près du mur, en demi-pointe. La main en face de l'épaule, et puis, tend. Tu inspires, souffle. Le travail se fait quand tu tends le bras. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles, dernier, tu inspires et tu souffles. Tu viens te mettre contre le mur. Si tu n'as pas de ballon, tant pis, si tu peux en avoir un, t'en prends un, ou alors tu fais une boule avec un torchon, plusieurs torchons, et là tu t'assieds. Tu appuies sur le ballon ou tu appuies sur ta boule que tu as fait avec tes torchons, ou tu as des haltères, ou tu prends une bouteille d'eau dans chaque main, pleine, tu inspires, tu souffles. Ou alors à vide, mais tu serres les poings. Et tu serres ton ballon. Là, tu es assis sur une chaise bien basse. Travaille des épaules, des cuisses, des fessiers, des adducteurs intérieurs des cuisses. Tu inspires, tu souffles. Épaules. Appuie bien sur ton ballon, la tête. Bien collé au mur, le menton droit, le regard en face, inspire, souffle toujours. Devant le même, c'est le même muscle qui travaille, épaules. On a toujours les cuisses, les fessiers, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, un de chaque, inspire, souffle, inspire. Souffle, appuie sur ton ballon. Ah ouais, ça commence à brûler là, les cuisses. Inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, le petit dernier. Et on relâche. Partie suivante. Ça marche? Partie numéro 2. Alors, travail d'équilibre. Si tu as peur, tu peux te mettre près du mur. Là, tu vas prendre un sac. Dans ton sac, tu vas charger. Moi, j'ai mis un ballon, j'ai mis des haltères. Tu peux mettre une bouteille d'eau. Tu charges un peu, hein, pour que ça fasse contrepoids. Ici, tu es devant, tu prends derrière. Tu regardes devant toi. Et là, ici, tu tiens, tu lèves. Et tu plies, tu tends. Tu plies, tu tends. Tu plies la jambe du bas. Mets-toi contre un mur si c'est trop dur. Plie, tu tends. Je ne cache pas au niveau de la nuque. Vite, tend. Vite, tend. Vite, tend. Et tu peux en faire plus longtemps, bien sûr. On fait le pété. Là, le sac qui sert de contrepoids. Tu plies, tu tends la jambe. Tu plies, tu tends. 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 Travail de la cuisse principalement, hein. Ouais. Équilibre, bien sûr, tu plies, tu tends, tu plies, tu tends, tu relâches, tu poses, et là, et parallèle. Ici, les squats pour travailler les fessiers. Tu plies, tu t'assieds sur la chaise, tu inspires, et la demi-pointe, tu souffles. Tu inspires, souffle. Ou tu fais celui-là. Ou alors tu sautes, tap là. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, dernier, inspire. Et on passe à la partie suivante. Go. Partie numéro 3. Ou tu prends un ballon, ou tu prends une bouteille d'eau, un haltère, comme tu veux. Un ballon, jambe ouverte. Ici, bras tendu, et tu allèges.
Et tu enlèves. Ici. Ça, c'est beaucoup trop facile. Là, on va refermer et on va lever la jambe opposée au ballon. Et tu enlèves. 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 Maintenant, ici. Et tu remontes en soufflant. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Allez, on fait A plus B. Le premier. Hop. Et là. Le deuxième. Et en bas. Reprendre ça, c'est plus facile. Ici. Allez, hop. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On change. Regarde. Ici, hop. Jambes opposées. J'ai pris la terre, c'est plus facile que le ballon. Pour gonfler, ça ne passe pas bien. Alors, je fais la même chose que tout à l'heure. Et je remonte. Ici, pardon, j'ai fait une bêtise. Hein? Oh là là. Ici. Et là. Ici. Et là. Encore. Ici. Et là. Et là. Ici. Allez, depuis le début, tu te souviens? Ici. Là. Ici, ah, on a changé quelque chose. Là, ici, là. Premier. Premier. Deuxième. Et deuxième. Encore. Premier. Là. Là. Et là. Deuxième. Là. Deuxième. Et là. Le taille. Ici. Tu plies. Tu places. Tu attrapes. Tu tends. Et tu lâches. Tu tends. Tu lâches. Plie. Tu places. Tu attrapes dans la jambe, tu lâches, tu plies, tu places, tu attrapes, tu tends, tu lâches. Là, tu poses, ou tu prends les haltères, ou tu serres les poings, tu inspires, tu souffles, pointe de pied ouvert. Si tu as mal au dos, tu plies tes jambes et la tête, elle reste haute. Tu inspires, tu souffles, inspires, tu souffles, tu inspires, tu souffles. Inspire, tu souffles. Maintenant, paume vers moi. Tu inspires, tu souffles. Ou les jambes tendues. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires, tu souffles. Allez, tu inspires quand tu tires. Dernier. Tu plies tes jambes. Et là, tu assouplis le dos. Dos rond, tu regardes ta tête, tu souffles. Le dos plat, tu regardes devant, tu inspires. Souffle le dos rond. Inspire de plat, souffle de rond, inspire de plat, encore, et le dernier, on remonte, on passe à la partie suivante, partie, bon. Oui, partie 21, gymnastique, alors, ici, t'es parallèle, on fait la ligne, allez, tu rentres ton ventre, tu serres tes fessiers, et là, tu te déplaces. Et tu reviens. On tu fais plusieurs fois. Plusieurs fois, je te laisse faire, moi je reste en gainage. Tu fais plusieurs fois les retours en respirant bien parce que ça fatigue un petit peu. Voilà, je te laisse faire. Moi je reste en gainage. Avance, recul, à droite, à gauche. Maintenant, la suite. Tu t'accroupis.
tu fais côté, arrière, accroupi. Côté, arrière, accroupi. Côté, arrière, accroupi. Côté, arrière, accroupi. Encore. Ça fait cardio. Hop. Encore. Et petit dernier, on s'étire. Hop. Partie numéro 22. À quatre pattes, tu prends un tapis ou pas. Et là, en quinconce, tu lèves bras, jambes opposées. Et tu reposes sans poser genoux. Inspire, tu lèves, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. Maintenant, tu fais main cuisse. Souffle. Quand tu touches la cuisse, inspire. Enroule la tête si tu veux. Souffle. Inspire. Souffle, tu touches la cuisse. Inspire, tu lèves. Et on change de côté. Bras, jambes opposées. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Maintenant, souffle. Inspire. Tu touches la cuisse, tu souffles, tu t'inspires. Et encore. Dernier. Et là, on va lever bras, jambes du même côté. Voilà. Et là. Et on fait l'autre côté. Tu lèves, tu tournes. Et tu reviens. Tu lèves, tu tournes. Et tu reviens quatre pattes. Tu lèves, tu tournes. On va rester sur la posture. Tu lèves. Tu plies légèrement le bras en bas. Ici, ça reste. Et tu enroules dans la boucle. Tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Tu inspires. Avec les abdominaux, épaules, hanches. Et on fait de l'autre côté. On va être dos à la caméra, c'est pas grave, c'est la même chose. Ici, tu plies légèrement le bras du bas. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Encore, souffle. Inspire, souffle, inspire. Et tu relâches. En dehors du tapis peut-être, parce que j'ai peur qu'on glisse. Ici, on va lever, on est en gainage, on tourne, on tourne, on tourne, attention, on tourne, on tourne, et on repose. On en profite pour faire un petit gainage au passage. Hop. Tu rentres le ventre, tu serres les fessiers. Et tu poses. Tu fais les gainages sur le côté ou tu le fais jambes pliées ou jambes tendues. Ça fait trois, hein, celle-là. Et tu fais de l'autre côté. Et on arrête. Voilà. Laquelle partie 23. Oui. C'est parti. Partie numéro 23 de la gym. Tu inspires de droit, tu souffles de rond. Tu inspires de droit, tu souffles de rond. Tu attrapes sous les cuisses et tu descends. Tu poses la tête bien droite au sol, pas de menton en arrière. On va faire travailler le transverse. Le transverse, ce sont les abdos les plus profonds, ceux qui touchent votre squelette. La tête bien droite, la demi-jambe, le pied au sol, main sur main. Bien sûr que ta remontée, ta fermeture est claire. Tu rentres le ventre, le nombril touche la colonne. La tête bien droite,
Et là, je repousse la cuisse avec les deux mains l'une sur l'autre. Et la cuisse repousse les mains. Souffle. Entre bien le ventre comme il faut. Descends tes épaules. Travaille du transverse. Les muscles autour de la taille le plus profond. Et tu poses. À l'autre. La tête droite, le menton neutre. Tu repousses la cuisse et la cuisse repousse les mains. Tu souffles. Tu sens tes abdos qui se contractent. Tu serres ton périnée, tu rentres le ventre. Et tu poses. On va faire travailler les obliques. Ce sont les obliques qui sont au-dessus du transverse, qui font le tour de la taille. La ceinture. Là, tu mets une main derrière la nuque. Lève la tête, le coude est ouvert. La main ici, tu touches l'extérieur de la cheville, l'extérieur du genou. Pas devant ton poitrine, les genoux ne bougent pas. Travaille les obliques. Et on fait la même chose avec l'autre. Le coude reste ouvert, le menton neutre. Je touche l'extérieur de la cheville d'un côté, l'extérieur du genou de l'autre. Respiration non bloquée. Périnée, on le serre. Et le nombril va toucher la colonne vertébrale. On serre la ceinture. Allez-y. Hop. La respiration n'est pas bloquée. On garde le ventre fort. 97, 98, 99, 200. Tu poses. Marque. Ici. Lève. Devant ton ventre, tu serres le nombril toujours. Le menton bien droit, je tends. Inspire et souffle. On monte et plie. Inspire, souffle. Descends. Remonte. Et inspire. Souffle, facile. Encore, expire, souffle. On va mettre les mains sur le bas du dos. Expire, souffle, expire, souffle. Et on va bien inspirer. Souffle, expire, souffle. Levez la tête, on fait attention. Inspire, souffle, inspire, souffle. Travaillez grand droit, les cuisses forcément, attention au menton, les grands droits, les tablettes de chocolat, hop, et sous la peau, c'est dans cet endroit-là qu'il faut travailler les abdos, d'abord le transverse, ensuite les obliques, et en dernier, les grands droits, dernier, et tu attrapes, tu comprimes, tu souffles. Tu coupes. Stop. C'est 4. La partie numéro 24, les étirements qui correspondent aux muscles que nous avons travaillés. D'abord, tu vas étirer ton dos, assis sur les talons. Ramène les mains vers toi. Là, on a travaillé les fessiers, on va étirer les fessiers, tu attrapes, descends tes épaules, allonge la nuque, la main contre la fesse derrière, tu tires le genou vers toi, tu inspires en soufflant, tu regardes sur le côté, descends tes épaules, il faut que tu sentes que ça tire dans la fesse, tu peux tirer sur le genou, tu souffles, tu reviens pour faire l'autre, bien sûr, et là. Côté pour étirer la hanche que nous avons travaillée. Si la jambe est tendue, c'est mieux. Allez. Tu souffles. Et on va étirer la cuisse qu'on a travaillée, bien sûr, avec le sac. Si tu avances le coude, tu te penches en avant, tension la nuque. Le dos ne part pas avec le genou. Tu souffles.
manche, et tout le monde la manche. Ici, hop, pour le coude, sur la nuque, les épaules sont basses. Tire tout le souffle. Puis tu étires la cuisse, la main sur le tibia, tu avances le coude pour ne pas laisser partir le dos avec le genou. Tu souffles. Coupe bientôt. Et deux. Inspire, tu souffles. Enlace. Enlève ton pull. Non, 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 non. Nion. Nion. Plie, entrelace, retour. En haut. Tu tends le tout. Tu rentres le ventre, tu serres les fessiers, tu te grandis, tu inspires. Et en fléchissant les deux jambes, ramène le tout vers le sol en soufflant fortement.